avez vu l'effet Kofi Olomide? Vous avez vu ce que papa Kofi fait? Il est en train d'induire ses jeunes en erreur. Heureusement que Fally a dit, moi je rentre pas dans ça. Voilà son fils ferré. Oui. Il a mis la chemise d'une de ses copines. Il partait pour le concert. Il s'est dit, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Carolina, demande un truc là. Alors ce modèle, en fait, je sais plus c'est qui le designer, mais c'est un modèle femme. Il faut me mettre l'image où il y a la femme qui l'a porté. Alors c'est une très grande marque, je sais plus c'est qui, mais ça coûte quand même une blinde. Ça coûte très cher, mais c'est un modèle à la base, en fait, qui est fait, c'est un chemisier, une camisole, en fait, qui est faite pour la femme. Ça peut arriver, en fait, de piocher dans le vestiaire des femmes. C'est pas un problème. Oui, ça peut arriver. Les femmes piochent dans le vestiaire homme, les hommes, vice-versa. Mais il faut avoir la carrure pour... Un whisky de regard plus filiforme, assez fin, nous ramenait cette camisole, ça allait passer inaperçu. On n'a même pas se rendre compte qu'il a pioché dans le vestiaire des femmes. Mais là, carrément, on sent très bien qu'il a pioché dans ce vestiaire et que c'est même pas ses mensurations. Regardez comme il est en train de s'étouffer là-bas. On aurait dit une petite tante, tante Jacqueline. Vous voyez les tantes dans les mariages, les tantes bêtées là. Qui dit, tout va se gâter. On aurait dit une tante bêtée. Zéro charisme. C'est ridicule. Oui, mais après, ça dépend de comment la photo a été prise, comme ça... J'ai regardé même la vidéo. J'ai fait mieux. C'est que j'ai regardé la vidéo, en fait. Et